Le petit pain de caramel. Vous allez trouver de la farine, des œufs, du sucre, un petit peu de sel, de la levure et du beurre. Et qu'est-ce qui fait alors la particularité de ces pains? Par rapport à une brioche. Par rapport à une brioche, c'est une brioche qui est beaucoup moins riche. Beaucoup moins riche en beurre et en sucre. Et donc pourquoi alors on appelle ça les petits pains de carême? C'est la période de jeûne qu'il y avait dans les 40 jours qui suivent le 1er janvier jusqu'à la période de Pâques.